Manaloa et bienvenue sur cette chaîne pour tous les gens qui s'éveillent, tous les gens dont la conscience, le cœur et l'esprit s'éveillent. Et c'est avec une joie magnifique, une gratitude infinie pour tous vos commentaires qui me remplissent de plus en plus d'amour que j'essaie de vous redistribuer à travers ces vidéos que je commence cette journée avec une superbe infusion joie de vivre. Je vous recommande personnellement, si vous souhaitez passer à un niveau supérieur, une infusion ayurvédique à base de piment, de basilic et plein d'écorces qui vont vous donner la pêche et l'énergie nécessaires pour passer à un tout autre niveau. Parce que c'est l'émotion, c'est les sensations, mais c'est surtout comment vous êtes dès le matin sur une échelle de 0 à 10 qui vont vous donner l'impulsion de la journée. En fait, quelle saveur aura votre journée? Et tout ça, c'est l'intention. J'insiste tout le temps sur l'intention. Dans les vidéos qui vont suivre, durant un mois, j'ai l'intention de vous aider, de vous accompagner, de vous transmettre, de vous initier à plein de techniques pour passer à un niveau supérieur. J'ai surtout l'intention de vous faire ces vidéos parce que dans un mois, je suis à Hawaï. Et je souhaite que vous puissiez continuer à recevoir mon intention de l'autre côté du Pacifique, recevoir cette énergie extraordinaire que les Hawaïens appellent le Aloha, l'énergie du cœur, avec le Pono, c'est-à-dire dans une rectitude et une dimension d'être, pour pouvoir exprimer la puissance intérieure qui est le Mana. Et vous allez découvrir, quand je reviendrai, donc fin octobre, le temps que nous montions avec ma petite équipe, toutes les vidéos que nous allons faire avec des reportages incroyables avec les chamans, les kahuna hawaïens et des stars, je ne peux pas vous dire lesquels, que nous allons rencontrer, des Américains dont le rendez-vous a été pris donc depuis 3 mois, qui vont vous apporter en live, en direct, tout un tas de connaissances. Et tout ceci, c'est pour préparer les incroyables séminaires que nous allons faire tout au long de l'année 2018 et au-delà, parce qu'il faut toujours avoir l'intention, donc c'est au-delà aussi de 2018, de mettre plein de séminaires à la disposition des gens qui veulent vraiment s'éveiller à la philosophie hawaïenne, qui est basée à la fois sur le bonheur, le bien-être et la réussite. C'est du fond du cœur que je vous encourage à vous inspirer de cette philosophie hawaïenne qui est vraiment, vraiment, vraiment un baume pour l'esprit et le cœur. Je vous remercie pour tous vos messages. Continuez à manifester vos messages, commentaires, cela me donne encore plus d'inspiration et cela me oriente dans tout ce que je vais faire les prochains jours, les prochains mois pour répondre à vos demandes. Et du fond du cœur, Mana Aloha, que le mana vous accompagne tout au long des prochaines journées, car c'est l'état d'esprit qui permet d'être avec ce que l'on appelle la chance. Madame la chance vous accompagne si vous êtes aligné sur le bien-être. Mana Aloha. Et si ce que je voyais chez l'autre n'était que le reflet de ce qui est en moi? Et si ce que je n'aime pas chez l'autre est le reflet d'une partie de moi, de mon ombre, que je ne supporte pas chez moi? Et si j'apprenais enfin à voir chez l'autre uniquement ce qui est beau? Et si je voyais chez l'autre ce qu'il y a de beau, car ainsi je découvre des trésors? Ainsi je découvre des trésors chez moi que je refuse de voir en moi. Je t'aime. Je suis désolé de t'avoir collé des étiquettes. Pardonne-moi s'il te plaît de t'avoir jugé avec mon mental qui me met dans la séparation au lieu d'être dans mon cœur qui lui unit. Merci de me faire comprendre que nous sommes tous interreliés. Je t'aime profondément. Je suis désolé de juger l'autre au travers de mes propres imperfections. Pardonne-moi d'avoir plus utilisé mon mental jusqu'à présent que mon cœur. Merci de me faire comprendre que la vie de rêve ne se situe pas sur l'écran radar de mon mental,
mais dans la puissance infinie de mon subconscient. Je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci. Merci infiniment. Et gratitude infinie d'utiliser la puissance infinie de mon subconscient. Alors je te livre un secret dans la vidéo qui suit, un secret qui va te permettre de passer à un tout autre niveau dans ta vie. Et tu comprendras ainsi la philosophie du Ho'oponopono qui dit que nous vivons dans un palais de glace. Les Hawaïens, il y a au départ le vide dans lequel tout se crée, c'est la conscience divine, c'est le kane. Et puis apparaît la supraconscience ou le omakua, ce qui est l'âme. Et l'âme nous relie à l'âme de tout le monde, nous sommes tous interreliés. Ensuite apparaît le conscient ou le ouane, c'est-à-dire sur notre mental d'occidental, c'est là où nous choisissons nos actions à vivre. Et ensuite, en dessous de la supraconscience et du conscient, il y a le subconscient, le unipili, qui emmagasine des infos. Alors le subconscient, pour les Hawaïens, ne produit pas les expériences. Il fait l'expérience de nos mémoires. L'ordre des quatre phrases a toute son importance dans le Ho'oponopono. Contrairement à ce que vous allez trouver dans 90% des livres, on ne commence pas par « je suis désolé ». Parce que « je suis désolé », c'est s'adresser au mental. On s'adresse à notre supraconscience en disant la première phrase qui est « je t'aime ». Parce qu'en disant « je t'aime », on s'adresse à notre supraconscience, à notre âme, et nous allons élever nos vibrations et nous installons en nous les fréquences de l'amour. Nous sommes dans notre aspect le plus élevé, notre soi supérieur. Et c'est là que nous allons pouvoir permettre à cette notion d'amour de se transmuter et de pouvoir descendre au niveau inférieur, c'est-à-dire dans le U-ané, le conscient. Et là, la deuxième phrase, c'est « je suis désolé ». Parce qu'avec « je suis désolé », on s'adresse à notre ego, on s'adresse à notre conscient, et nous faisons ainsi une véritable prise de conscience de la mauvaise utilisation de notre pouvoir créateur. Troisième phrase, « pardonne-moi, s'il te plaît ». On ne trouve pas le « s'il te plaît » dans les versions vulgarisées en France, mais c'est « pardonne-moi, s'il te plaît ». Là, on s'adresse à notre subconscient, le siège de la transformation du monde extérieur, le niveau où le pardon doit être effectué pour que la guérison se fasse. Et enfin, la quatrième phrase, c'est « merci ». Et avec le « merci », on boucle la boucle en s'adressant à nouveau à notre âme, notre dimension la plus élevée pour purifier le processus et de retourner le tout à la source.
Je t'aime profondément. Inspirez. Soufflez. Inspirez, soufflez, dites je t'aime, je t'aime. Je m'adresse à la divinité en moi, avec beaucoup d'amour, l'amour qui est la plus puissante énergie, qui va permettre de dissoudre toutes les parties en moi qui bloquent mes énergies dans mes méridiens. Merci à cette énergie d'amour qui s'établit en moi. Il va métamorphoser, transmuter toutes mes cellules et tout ce qui a besoin de l'être. Je demande au divin en moi de connecter toutes les causes, directes ou indirectes, qui sont à l'origine de ce que je vis actuellement. De connecter toutes les parties, directes ou indirectes, à l'origine du problème que je vis. Et de connecter toutes les mémoires, les croyances, les peurs, les conditionnements qui sont en résonance avec mon problème. Je les mets en contact avec ma divinité. Je t'aime. Je t'aime pour faire rayonner cet amour dans ma vie, dans tous les domaines. Je t'aime. Oui, je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci, je t'aime. Et guéris toutes mes blessures, tous mes manques. Car dans cet état, je ne fais qu'un avec l'univers. Et en inspirant, je suis désolé. Pardon pour tout ce que je t'ai fait vivre. Je prends toute ma responsabilité à 100%. Je m'adresse à toutes les parties de moi qui portent ce problème et je leur dis que je suis désolé. De tout mon cœur, de toute mon âme, oui, je suis désolé. Car je n'ai pas voulu vous faire souffrir. Je suis désolé pour ce qui m'arrive. Je prends ma responsabilité à 100% et je reprends mon pouvoir dans mon soi supérieur. Et j'affirme mon choix. Que cela change. Et j'affirme que je vais incarner en moi ce que je veux voir chez l'autre. Et en restant dans mon soi divin, je lâche les miroirs extérieurs de ma vie, en reprenant à 100% ma responsabilité. Voilà, pardonne-moi s'il te plaît. Oui, je demande pardon de tout mon cœur, de toute mon âme, car je suis responsable à 100% de ce que je vis. Je demande pardon à ma divinité, et ma divinité me pardonne. Je demande pardon à toutes les parties de moi responsables de ce problème, qui me permettent ainsi de les libérer et de me libérer. Je demande pardon à toutes les personnes qui sont en contact avec moi et avec qui j'ai créé certains problèmes qui sont en lien avec ça. Merci. Je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît. Merci. Je te remercie et j'exprime toute ma gratitude, divinité. Je remercie et j'exprime toute ma gratitude à toutes ces parties de moi qui ont accepté de souffrir, d'être dans l'inconfort, pour me libérer par amour pour moi. Merci du plus profond de mon âme. Merci du plus profond du cœur. Merci, merci. En me faisant vivre ces conflits en moi, vous m'avez libéré. Merci, merci. Je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Je vous exprime tout mon amour. Cet amour, je vais faire rayonner tout autour de moi. Et je vais faire rayonner mon moi sacré tout au long de la journée pour le plus grand bien de tous. Je t'aime. Et pour t'aimer encore plus, je vais incarner en moi ce que je veux voir chez l'autre.
Je t'aime et je vais faire rayonner mon moi sacré pour le plus grand bien de tous, tout au long de la journée, dans tous mes domaines de vie. À chaque fois que je vis une situation désagréable, je me dis intérieurement, je suis désolé et je m'aime. Et c'est avec toute ma gratitude, toute la force de mon cœur et de mon âme, que je vous souhaite une excellente pratique du Ho'oponopono pour vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même.